vous sorte aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Donc il est quasiment, enfin 8h et quelques. Enfin je me traîne parce qu'il faut que je parte à 8h30, je me suis un petit peu réveillée en retard. Je suis crevée mais j'ai trop du mal à dormir parce que hier c'était pleine lune. Forcément. Et c'est pas mon mois. Donc bref, je vais finir de me préparer et puis après direction Paris, j'ai 2 heures de route et puis après j'ai une petite quarantaine de minutes de marche avant de rejoindre le lieu du shooting photo chez Chien Shop. Donc voilà, j'essaie de vous emmener avec moi autant que possible.
Hello, on se retrouve, il est 15h. Je sais, le spot est pas le plus terrible, mais là je suis dans le parking, je suis en retourné au parking. J'avais réservé jusqu'à 19h, mais je vais pas rester jusqu'à 19h. Et donc les filles ont été génialissimes, franchement ça a été un super shooting, craquage sur quelques articles. J'ai pas vu la liste 3 points par contre, mais franchement des super produits, j'ai vraiment adoré. Donc hâte de voir toute l'équipe, et j'espère qu'ils me montreront des photos des filles lors de l'événement de Pet & Co, où ils seront présents avec un stand. Je sais pas encore si je pourrais acheter de leurs produits, parce qu'honnêtement bah, c'est du parisien, c'est du fait main et ça coûte ultra cher, je dénigre pas, mais moi j'ai pas le budget. Mais voilà, il y a un ensemble que j'ai essayé, que j'ai vraiment eu le coup de cœur. D'ailleurs je crois que c'est lui qu'elle portait à la fin, et celui que Lady portait. Donc les filles, franchement, vraiment des merveilles, super fières d'elles. Et puis à la fin, bah, le petit que j'ai renommé Koda. Alors pourquoi Koda? Parce que tout simplement, quand je suis montée dans la voiture, que je l'ai chargée, la musique qui passait, c'était celle de Frères des Ours. Donc voilà, je l'ai appelé Koda en attendant. Et donc Koda a eu aussi le droit à sa petite session shooting. Donc au bilan, donc il est 3h. Donc je suis désolée aux personnes que j'ai dit que je vous rejoindrais sur la pyramide, mais alors finalement j'ai mis un temps fou à rejoindre la pyramide. Les filles sont épuisées, elles ont super chaud, elles ont du mal à s'en remettre. Il fait une chaleur à cogner dehors, j'en peux plus, je suis épuisée, j'ai pas faim, mais en même temps je sais que si je mange pas je vais m'écrouler. Donc il faut absolument que je reprenne la route maintenant pour rentrer. En plus il faut que j'aie bébé Koda, donc il faut que je vois tout ça. Demain il faut que je reprenne le boulot, donc il y a tous les week-ends sur Paris qui vont s'enchaîner. Donc il faut que j'écoute mon corps et que je rentre, que tout le monde se repose. Bref, j'ai plus de voix, donc là je vais installer le téléphone et puis on va reprendre la route tranquillement. Parce qu'en plus là il y a plein de touristes et tout, parce qu'on est à côté du Louvre. D'ailleurs bah, j'ai eu le temps de faire quand même mes quelques vidéos photos au musée du Louvre. Mais bon, pareil, toujours en méga stress à cause de tous les pickpockets qu'il y a sur place. On me dit faut pas cataloguer, mais bon... Je préfère cataloguer que de perdre mon matos. Donc voilà, j'ai réussi quand même à avoir mes petites photos des pyramides avec mes nénettes. Donc voilà, ça va être reparti. Je vous dis bon bah tout à l'heure, dans d'ici 2 heures à peu près de route. Et en tout cas merci en même temps à l'équipe Chien-Chien. Mais voilà, vous êtes une équipe formidable et c'est un grand grand plaisir de faire un shooting avec vous et de passer cette matinée. Voilà. Donc je vous dis à ce soir. Ça fait quoi, 1h30, je suis rentrée et je suis repassée au lieu de proximité où j'ai trouvé le fio. Il y avait personne qui cherchait quoi que ce soit, les voitures étaient en place, donc il n'y a rien qui avait bougé. En tout cas, après avoir observé que la tête qu'il a, honnêtement, je suis sûre à 90% que c'est un Jack Russell croisé de Cavalier King Charles. En tout cas, il y a un truc qui valait le coup, c'est que je le ramène, parce que vu comment il joue avec Skull depuis tout à l'heure, ça avait vraiment le coup. Avec Momo, ça s'est plutôt bien passé aussi. Ils arrêtent pas depuis tout à l'heure. C'est son meilleur copain. On peut pas le garder, c'est pas possible. Donc là, on est en gang de mecs et les filles sont là-haut. Oh, son premier pipi! Je viens de filmer son premier pipi dehors. Là, Skull fait pas de protection de ressources. Il le lâche pas. Bon, il y a eu quelques petits accidents en jouant, ils ont renversé le pot de fleurs, mais... Dans l'ensemble, Skull fait assez attention par rapport à sa force. De toute façon, je laisse pas sans surveillance. Mais ouais, je pense honnêtement que c'est un cavalier King Charles croisé de Jack Russell. C'est évident, parce qu'il a les oreilles toutes poilues, du poil long sur le corps et les taches, des taches de cavalier quoi, les autres races, je connais pas de race qui soit tachetée comme ça. Il cherchait à mourir, mais à mourir il va pas vouloir. Les journées pleines de rebondissements. Oh, Rototo. D'ailleurs, je sais pas ce que je lui ai donné à manger ce soir, moi. J'ai pas de nourriture pour Puppy. D'ailleurs, ça se voit qu'il bouffe un peu de la merde, parce que vu les pellicules qu'il a sur le. Là, les pellicules qui se tapent sur le dos et la décoloration sur les poils, il y a plein de carences. Et j'ai hâte de voir les photos que le chien chope, ils vont avoir fait de lui. Oui, c'est tout ça que je cause, Koda. Koda. Qui nous a fait. Et en fait, il s'est retourné toute la journée sur Paris, il a rien fait, et là, il m'a fait un pipi, un caca. Typiquement, le Jack, il essaie d'aboyer, mais j'arrive à l'arrêter. Et puis, mais j'avais jamais capté, c'est qu'un Jack Russell n'a pas une queue aussi longue. Par contre, un cavalier a une queue longue comme ça. Je pense que j'ai juste sur mon classement. Petit père d'écrire à dire qu'il a failli finir éclaté sur la route. Quasiment 20h, toujours pas de mise à jour pet alerte concernant Koda, donc je ne sais pas si c'est maître s'inquiète ou le recherche, parce que why not, il n'y a pas du tout quoi que ce soit. Donc là, je peux pas monter à l'étage sans qu'il pleure. J'ai beau tâtonner aussi, je ne trouve pas de puce dans son cou. Là j'ai commencé à regarder pour faire à manger. Chut, et Koda, donc côté Jack j'en veux pas, hein. Non, on se tait. Modérez les bruits ici. On s'exprime, on gueule pas.
Donc voilà, il est quasiment minuit et je vais enfin pouvoir clôturer ce vlog avec une bonne nouvelle. Donc on a enfin trouvé une alerte sur Pet Alert pour le petit chien que nous avons trouvé, donc que j'avais appelé Coda et qui finalement s'appelle Pocket et qui répondait très très bien à son nom. Donc finalement oui, il sortait tout juste de chez ses propriétaires quand je l'ai trouvé. Donc mea culpa, c'était des gens pas du tout comme je les ai décrits, c'était des gens très sérieux, pas de soucis et tout. Juste qu'ils ont fait leur clôture et il y a un malheureux trou qui leur a échappé. Et en fait il a suivi le chat, il est sorti, mais ils étaient à sa recherche dans leur terrain avant de penser à chercher dans la rue. C'est pour ça que je ne les ai pas vus et compagnie. Mais voilà, j'étais vraiment inquiet pour leur chien et le chien était complètement fou de retrouver sa maman, malgré que bah, ça faisait qu'un mois qu'ils l'ont et en fait il est déjà super attaché à sa famille, donc c'est super cool. Donc petit Pocket est rentré chez lui, ils sont venus le chercher il y a à peu près une heure environ. Donc voilà, tout se termine parfaitement bien pour cette journée. Donc petite Béa de la journée, j'en suis très contente que ce soit terminé de cette manière là donc en plus c'est des personnes qui ça a bien fait rigoler et que ça intéresse de récupérer les photos du shooting qu'on a fait, donc ça c'est vraiment cool. En tout cas voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Le prochain vlog sera sur la kermesse des gueules d'ange. Kissou.